semblez vraiment avoir un besoin de filmer le présent. C'est, je pense, une nécessité chez vous, un besoin, si vous acceptez ces termes. D'où vient cette envie, ce besoin, cette nécessité de filmer? Ce qui se passe de nos jours maintenant, avec une envie vraiment importante, j'ai l'impression. Je crois que c'est difficile de dire, de répondre à la question en disant oh, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des films historiques, pourquoi on ne fait pas des films fantastiques, qui parlent sans doute aussi du présent d'une façon détournée, enfin, plus lointaine, mais qui en parlent aussi. Pourquoi est-ce que nous, on parle des gens qui nous entourent, des gens en plus d'une ville, une petite ville où on a vécu un certain nombre d'années, des années de notre adolescence, serein. Pourquoi? Je ne sais pas. Moi, je pense que on a toujours été, avec nos documentaires, nos portraits qu'on faisait dans les cités ouvrières, je pense qu'on a toujours été proche d'une série de gens qui parlaient du passé d'ailleurs, souvent dans ces portraits et ces documentaires. Ils racontaient des histoires de leur vie. Mais je crois que tous ces gens-là qu'on a rencontrés, finalement, c'est devenu un peu une grande famille, si je puis dire, enfin une famille. Toutes ces histoires qu'ils ont racontées nous habitent vraiment et on les revoit, on pense à eux. Donc c'est des gens du présent, ça, hein, même s'ils parlaient d'histoire. Et je pense qu'on repense souvent à ces gens, à leurs enfants, à des histoires qu'ils ont racontées ou encore aujourd'hui, comme ce petit japonais. Oui. Je dirais qu'il fait partie aussi de ces gens. On nous raconte une histoire et ça reste. Une histoire du présent. Maintenant, bon, peut-être que si nous racontait une histoire du passé qui vraiment restait, on se dirait, ben, tiens, si on essayait de faire ce film qui se passe dans les années 50, je ne sais pas, 40, ben, peut-être qu'on le ferait. On n'est pas braqué, mais il faut vraiment que ça nous impressionne. Quoi. C'est ça. Que ce soit, et souvent, ça vient de choses qu'on nous raconte ou qu'on dit, des faits divers.